Dans une déclaration lue ce vendredi 10 septembre 2021, les partis politiques de l'Union sacrée de la province du Lualaba disent soutenir sans relâche la convocation de la session extraordinaire par l'organe délibérant que dirige l'honorable Louis Kamweni. Ces formations politiques ont également réitéré leur soutien indéfectible à Massouka Senififi qui, depuis son intérim à la tête de la province, la vie sociale de la population du Lualaba s'est nettement améliorée et la province se métamorphose du jour le jour. L'Union sacrée de la nation Lualaba saisit l'occasion pour apporter un appui sans faille à son Excellence, Madame le vice-gouverneur du Lualaba, qui vient de démontrer la gestion transparente des recettes publiques. Dans le cadre de l'artisanat minier, les caisses étaient presque vides avant l'intérim. Et aujourd'hui, nous parlons en termes de millions. La maximisation des recettes au sein des entreprises minières, entre autres Kamoa et Moumi, ceci permet et justifie les budgets rectificatifs du gouvernement provincial. Nous invitons la population, les tendances confondues, de soutenir Madame le vice-gouverneur dans cette gestion transparente. Nous mettons en garde tous les acteurs et les collaborateurs politiques du mal cherchant à troubler la bonne gestion de la province. Dans cette même déclaration, la coordination de l'Union sacrée au Lualaba invite les députés provinciaux et les gouverneurs intérimaires à continuer cet élan de développement qu'ils ont imprimé depuis quelques mois. L'Union sacrée de la nation Lualaba réitère son soutien inconditionnel au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi du Tshilombo, le père de la nation et porteur de la vision, les peuples d'abord. Immobilisés comme un seul homme, ces présidents fédéraux ont rencontré le président de l'Assemblée provinciale afin de lui déposer un mémo dans lequel ils ont demandé aux élus du peuple de ne céder à aucune pression des ennemis de développement du Lualaba. Le premier des élus de la province du Cobalt leur a de prime abord expliqué les contours de la convocation de la dite session et les matières à traiter. Il a par la même occasion invité toute la population à garder son calme car leurs représentants travaillent en toute sérénité.